Voici comment débloquer le camouflage Fierté Coruscant gratuitement sur Fortnite. Donc pour débloquer ce camouflage, vous devrez impérativement aller sur le Discord officiel de Fortnite que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé. Et ensuite, vous avez deux solutions pour le débloquer. Donc pour savoir les solutions, vous allez ici dans Actualité Discord. Et c'est le dernier post qu'ils ont mis. Et donc vous avez deux solutions. Vous avez la première solution qui va vous demander de streamer pendant 15 minutes sur Discord Fortnite. Devant au moins une personne sur Discord. Donc je pense que forcément vous allez dans un chat vocal ici, donc le chat vocal ici, et vous lancez un stream pour partager votre écran. Donc cette solution, moi je la kiffe pas trop. Moi je vais plutôt vous présenter la deuxième solution, qui va vous demander de réaliser la quête Discord Trouver la Force. Donc là on doit se rendre dans Find the Force Quest. Je sais pas si on peut le voir ici. Ah oui, il est là. Suggestion, donc vous allez ici ou vous cliquez là, peu importe. Ensuite, vous allez arriver ici et là, vous allez devoir participer. Donc moi, évidemment, je suis déjà connecté. Donc, ils ne vont pas me demander de me connecter. Mais vous, c'est possible que quand vous allez cliquer sur participer, vous allez devoir vous connecter directement à Fortnite. Donc, lier votre compte Discord à Fortnite. Donc là, échec de l'interaction. On va réappuyer une deuxième fois. À mon avis, il y a beaucoup de monde qui le font en même temps. Donc, ça va être un peu... ça doit sûrement un peu bugger parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de le faire en même temps. Alors par contre, je vais vous parler d'un autre truc. Donc actualité Discord. Donc là ici, il est marqué que vous devez avoir activé la fonction drop de Discord pour pouvoir prétendre à la récompense. Rendez-vous dans paramètres utilisateur, confidentialité et sécurité et récompense en jeu alias les drops. Cochez la case si ce n'est pas déjà fait. Donc on va dans paramètres d'utilisateur, ici en bas à gauche, donc là où il y a la petite roulette. Ensuite, ils nous ont dit d'aller dans confidentialité et sécurité. Donc hop, confidentialité et sécurité. Et là, on doit cocher le paramètre de drop. Donc voilà, récompense en jeu alias les drops. Donc, moi, j'ai bien coché la case. Donc pour moi, mon compte, il est bon. Donc vérifiez bien que vous avez bien coché la case pour recevoir les récompenses. Donc je retourne dans Finn's The Force Quest. J'essaye de cliquer pour voir si ça marche. Ça ne fonctionne pas. 4 heures plus tard, le bouton participer fonctionne enfin. Donc quand vous cliquez sur le bouton participer, vous allez avoir un nouveau message qui va vous demander d'associer votre compte. Donc moi je vais le faire, mais normalement c'est déjà fait. Ok, donc apparemment je ne suis pas encore connecté. Donc ce que vous faites quand vous voyez cette image, c'est que vous cliquez sur se connecter. Se connecter. Donc là vous vous connectez avec PlayStation, Xbox, Google, tout ce que vous voulez. Ok, donc quand c'est fait, ben votre compte a été associé avec succès, donc c'est parfait. Donc là, vous retournez sur Discord. Non, je veux pas rejoindre ça. Donc là, ok, donc ouais, donc en fait, il faut rappuyer sur le bouton participer. Et là, vous avez votre première tâche. Vous avez juste à faire un top 10. Alors, la deuxième tâche va vous demander de passer 15 minutes en appel vocal sur Discord dans n'importe quel salon vocal. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez ici, vous descendez. Et là, vous allez dans le salon Discord qui est juste ici. Donc, regardez, discussion 1, vous cliquez dessus. Donc, je vais juste me muter. Hop, je me rends muet. Je clique ici. Donc, je vais couper le son des autres personnes. Mais les trois cas, regardez, sont soit en diffusion en direct pour débloquer la variante. Hein, soit ils sont dans le salon, mais ils sont tous mutes et muets. Tout simplement pour attendre les 15 minutes. Donc, voilà, vous faites pareil. Vous vous connectez dans un salon. De discussion et ensuite vous attendez 15 minutes dans le salon comme ça. Vous attendez 15 minutes, vous parlez pas, vous parlez, vous faites des rencontres, vous faites ce que vous voulez, mais il faut juste rester 15 minutes dans ce salon là. Quand vous avez terminé, ben, vous quittez, vous déconnectez. Voilà, on va mettre un petit smiley. Et là normalement ça devrait être bon pour la tâche 2. Donc ils disent que l'actualisation de la progression peut prendre jusqu'à 60 minutes, donc il faudrait être un peu patient. Et vous pouvez utiliser le bouton actualiser ci-dessous, donc actualiser ici, pour voir la progression, ok. Donc ici, tâche 1, vous n'avez... Ok, bah en fait, la progression est activée juste ici. Donc là, si j'actualise, donc là, j'ai 0 minutes, c'est normal. De toute façon, c'est toutes les 60 minutes que ça s'actualise. Mais voilà, tâche 1, je n'ai pas encore fait de top 10 sur Battle Royale. Et dans la tâche 2, je n'ai pas encore resté 15 minutes dans un salon vocal. Donc ça ne s'est pas validé. Mais quand vous aurez validé ces deux tâches-là, bah, logiquement, vous allez pouvoir récupérer votre récompense. Il sera sûrement marqué récupérer récompense. Ensuite, vous cliquerez sur le bouton récupérer
Et là, ben, normalement, quand vous relancerez votre jeu sur Fortnite, ben, vous débloquerez directement le camouflage gratuitement sur Fortnite. Code créateur SCM.